ni vous n'étiez anti-vax, on l'a bien saisi. La question qui se pose toutefois, c'est la crédibilité de ces soignants-là. Un soignant qui a refusé de se faire vacciner, donc qui ne croit pas au vaccin, ou qui le considère comme dangereux, est-ce qu'il peut revenir exercer? Et donc, il y a cette profession qui est importante, et qu'un soignant qui ne croit pas en la science, peut-il venir soigner? C'est une question quasi philosophique, mais elle est importante dans le débat, vous voyez. Mais déjà, j'aimerais rappeler que les Français, enfin les personnes, les soignants, des soignants issus de l'étranger, on leur demande pas le schéma vaccinal complet. D'ailleurs, vous avez mais aussi vous des soignants qui n'ont pas le schéma vaccinal. Mais déjà, j'aimerais rappeler que les Français, enfin les personnes, les soignants, des soignants issus de l'étranger, on leur demande pas le schéma vaccinal complet. D'ailleurs, vous avez mais aussi des soignants qui n'ont pas le sur la question de croire à la science ou pas, allez les interroger, faites un questionnaire. Vous parlez de faire un test par jour, c'est trop compliqué. N'y croit pas, allez-y, vacciner. Mais allez-y, allez les interroger, allez voir. Vous y croyez en la science. Question, mais moi, vous êtes vacciné. Moi, je crois en la science. Je crois en la science et je crois aussi en une phrase de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et la conscience, c'est la politique qui l'a fait. Et le sujet qui est là, on peut avoir un débat sur les soignants non vaccinés, mais le véritable débat, c'est que la majorité de l'Assemblée nationale est pour une loi et que le gouvernement empêche l'Assemblée nationale de voter pour une loi qui est plébiscitée par la majorité du peuple. Un soignant qui ne croit pas au vaccin, c'est comme un journaliste qui croit aux fake news. Vous voyez, il y a quelque chose qui est totalement paradoxal. Mais allez les interroger, faites un sujet sur ça. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question de, est-ce que vous trouvez normal que, alors que l'Assemblée nationale est d'accord pour une loi et que le peuple est d'accord pour cette loi, parce que Maillard, Braun et Macron ne sont pas d'accord, alors à partir de ce moment-là, on ne fait plus la loi. Et bah pardon de vous dire que c'est une démocratie défaillante et que c'est symptomatique d'inquiétude que vous devriez avoir. Vous avez raison là, mais vous n'avez pas répondu à la question. En tout cas.